Le coup d'envoi est donné. Nous espérons tous voir une belle rencontre. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait un beau spectacle. A priori, on ne devrait pas s'ennuyer. Encore une belle occasion. Kalinichenko, Eitinga. Il l'emporte dans ses duels aériens. Encore une occasion de centrer. Du pied, dégagement sûr. Nouvelle occasion de centrer. Le jeu est brutal, coup franc. Il a mis le pied sur le ballon. On est parti pour un drôle de contre. Et Eitinga. Encore une occasion de centrer. Très bonne maîtrise défensive. Non, le ballon a été intercepté. Il a dégagé. Joli appel en profondeur sur le côté. Le gardien est en danger. Mozart. Nouvelle occasion, mais ça manque de finition. Pourquoi pas tirer? Personne ne l'attaque. En général, on t'attaque pas, tu peux avancer, mais là, c'était bien de frapper. Le gardien a dévié la balle, corner. Il l'envoie au milieu de la surface. Oliech. Attention, énorme danger. Ligne 2, c'est ce qu'il y a de plus chouette. Beaucoup trop loin du montant gauche. Et là, le gardien, il est en train de bouger ses défenseurs. Il a raison. Hein. On lui laisse de l'espace, il va frapper tout le long du match. Attention, il frappe. On est vraiment trop loin du poteau droit. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Oliech. Ils écartent bien le jeu. Ederson. Un ballon repassé en arrière. Quinze minutes de jeu à l'horloge. Bon pressing. Le joueur récupère le ballon. Bon travail et bonne possession du ballon. Il peut frapper. Le gardien peut pousser un ouf de soulagement, mais heureusement, il n'y avait pas de buteur pour mettre la balle au fond. Nouvelle occasion de centrer. Bien défendu. Cuivasto.
Il faut jouer le ballon, pas le joueur, coup franc. Construire quelque chose. Il frappe au but. Le goal la bloque. Le ballon sort du terrain. C'est bien joué en profondeur sur le côté. Il frappe directement. Il tire au premier poteau. C'est pas mal sur le plan défensif. C'est beaucoup trop physique, coup franc. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Ça chauffe dans la surface. Bien sauvé par le gardien et bien joué de la part du défenseur qui écarte le danger. Aïe, ce but concédé fait mal au moral, il arrive au mauvais moment, mais bon, il reste du temps. Là, on a vraiment senti que le ballon lui avait échappé de nez. Ah, il a mis les gardes de vaisselle de sa femme, c'est pas possible, il a offert un cadeau à mort à l'adversaire. Écoutez la réaction du public. Les supporters sont super déçus et ils le font savoir. Ils ont pris de l'avance 1-0. C'est pas le moment de perdre les pédales quand même, mais il y a encore du temps pour revenir dans le match. La seule chose qu'il ne faut pas faire pourtant, ce serait d'en encaisser un autre. Alors il va falloir quand même un petit peu resserrer le jeu. Attention, énorme danger. Belle occasion. Bonne réaction de la défense. Le ballon sort en touche. La passe a été interceptée. Il conserve la possession du ballon. Encore une occasion de centrer. La défense devra faire attention sur cette touche. Allez,
ne trouve pas le moyen de percer cette défense. C'est dégagé. Encore une belle occasion. Pas moyen de passer cette fois. Il tente sa chance. Dévié par le défenseur. Ballon travaillé vers la cage. Il le touche de la tête. L'entraîneur ne doit pas être très content. Encore une occasion de centrer. Va-t-il frapper ? Lui au moins il tente. Encore une belle occasion. Il n'y a personne là-bas. Attention à la remise en jeu. Ballon repoussé de la tête. Il tente sa chance. Le gardien a remis de l'ordre. Dégagé. On est dans le temps additionnel. L'arbitre regarde sa montre. Il ne reste pas lourd à jouer. C'est déjà la fin de la première mi-temps. C'est étonnant qu'ils soient menés au score dans cette rencontre. Parce qu'ils ont largement... Deuxième période. Sera-t-elle plus intéressante que la première ? Oh, c'est trop bon, il peut marquer. Pas de problème, pour l'arbitre, c'est un coup franc. Encore une occasion de centrer. Il peut peut-être marquer. Pas moyen de passer cette fois. Ils peuvent construire quelque chose. Belle intervention du gardien, mais heureusement également que le défenseur était là. Attention à ce jeu plus physique, plus franc. Nouvelle occasion de centrer. Il a osé. Sur ce centre, ils vont peut-être égaliser. Il ne faut pas y aller comme ça, coup franc. Si près du but, il pourrait essayer de marquer. S'il marque sur ce corner, il pourrait maintenir la pression. Ballon aérien. Le ballon a été intercepté. Ils peuvent construire quelque chose.
place pour cadrer. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Tête offensive. Et but. Aïe, 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 aïe. Ce but encaissé en début de seconde période est terrible pour le moral de l'équipe. Mais il faut se relever. Et même si la défense a fait une erreur de marquage sur ce but, on a vraiment l'impression quand même qu'il frappe plus fort de la tête qu'avec les pieds. Il réalise vraiment de belles choses. C'est un travailleur infatigable et c'est bien qu'il soit récompensé par ses deux buts. De 0, c'est vraiment une bonne avance. Et s'ils vont revenir, à mon avis, dans ce match, il va falloir s'y prendre autrement. Ils ont intérêt d'attaquer, de marquer un but assez rapidement. Juste au-dessus de la barre. Et vous avez vu ça, c'est l'action d'école. Le centre parfait, la volée derrière, le corps bien couché. Ah, ça aurait pu être un but fantastique. Premier changement opéré par l'entraîneur dans cette rencontre. À ce moment du match, il faut prendre tous les risques. Et ce changement devrait nous permettre de commenter plus de tirs au but. 15 minutes dans la seconde période. Ederson. Dans la surface de réparation. Il déclenche une frappe. Ouais, le pressing, ça paye. La touche est bien placée. Encore une occasion de centrer. Il y a chippé le ballon et ça peut être dangereux. Pourront-ils tenir de cette façon-là? Bistroff. Ederson. Bistroff. Ils reprennent le ballon. C'est peut-être l'occasion dont ils ont besoin. Il y a du beau mouvement, de belles combinaisons, mais il faut trouver la faille. Le ballon subtilisé par l'adversaire. Bon travail et bonne possession du ballon. Le déclic, ce serait un but, mais ça ne vient pas. Il faut vraiment du mordant si vous êtes d'accord. Il peut peut-être centrer car il joue sur le côté. Il est dans la surface. Et coup franc concédé à la suite de ce tacle. C'est un carton jaune et il est justifié car vraiment la faute est flagrante. Désormais, il va devoir faire attention. Basto. Kalinichenko. Il a mis le pied sur le ballon. Tactiquement, sa joie c'est bien, mais maintenant l'essentiel c'est de marquer un but. Interception de la défense. Le portier l'a attrapé. Franzel. Superbe défense ici. En
encore une occasion de centrer. Franzel. Kovac. Il va peut-être marquer. Hors jeu, ça s'est joué à pas grand chose. Kovac. Ederson. Bonne réaction de la défense. Nous nous approchons du dernier quart d'heure. Ils ont de l'avance et la possession du ballon. Il ne peut pas leur arriver grand-chose. Bistroff. Bonne reprise du défenseur. Ça se joue à pas grand-chose, mais il est hors jeu. Mozart. Oh, ce ballon va remonter très vite. Il tente sa chance. C'est trop loin du poteau gauche. Ça peut paraître facile, mais dans un duel, c'est souvent le gardien qui fait la différence. Essaie de marquer. Le goal a la situation en main. Nous avons atteint les 15 dernières minutes de la rencontre. Oliech. C'est bien de la part du défenseur. Kalinichenko, auteur d'une passe décisive depuis le début du match. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Oh, que ça peut être dangereux sur ce coup. Superbe passe en profondeur. Et ils obtiennent un corner. Nous allons voir si les calculs de l'entraîneur sont justes. C'est un tir brossé. Sur le plan tactique, le ballon circule bien. Vont-ils déclencher une attaque? On va le savoir dans quelques secondes. Le ballon est toujours sous contrôle. Nouvelle occasion de centrer. Cette passe en profondeur n'a rien donné. Elle est dégagée. Oliech. La balle n'est pas passée. Non, le ballon a été intercepté. Bien joué de la part du défenseur. Cette passe peut surprendre la défense. Oh, c'est au fond, ça peut relancer le match. Ils peuvent encore revenir. Il a fait l'appel parfait au bon moment sur cette passe en profondeur qui lui a permis de marquer ce but. Mais c'est vrai que la défense avait accroché la charrette. Hein. Encore un but désormais et il passera en tête du classement des buteurs. Il peut le faire car il est dans une forme incroyable. À 2-1, l'avance est mince. C'est drôle, il semblait pourtant maîtriser le match. Hein. Mais avec ce but venu d'ailleurs, ça relance tout. Directement dans les tribunes, une occasion de perdu. C'est bien, il faut oser, quand il y a des défenses renforcées, il faut frapper de loin.
Kalinichenko. Le ballon est toujours pour eux. Très belle ouverture. La défense ne sait plus donner de la tête. À mon avis, elle va craquer une nouvelle fois. Le portier le laisse échapper. C'est bien de partir en contre. Encore une belle occasion. Corner, excellent travail de pressing de la part de la défense. L'entraîneur apporte quelques améliorations. Le ballon est travaillé vers le but. Ils peuvent encore essayer. Un bon ballon au premier poteau. L'entraîneur le sait, la meilleure défense, c'est l'attaque. Désormais, il faut contrer. Titov. Eitinga. Franzel. Titov. Au niveau de la circulation, c'est vraiment du super boulot. Le dispositif est bien huilé. Le ballon part dans tous les sens. L'entraîneur commence à avoir peur, la zone de jeu est dangereuse, il faut pouvoir écarter ce ballon. Ils peuvent construire quelque chose. Et ce sera une remise en jeu. L'entraîneur cherche à remanier l'équipe. Ils ne sont menés que d'un but à 5 minutes de la fin du match. Vont-ils réussir à égaliser ? Kalinichenko. Kovac. Le ballon est toujours pour eux. Kalinichenko. Encore une belle occasion. Ballon bien dégagé de la tête. C'est court-circuité, l'attaque a été tuée dans l'œuf. Il a osé. Frappe puissante mais sans précision. À mon avis, sur ce coup-là, il va y avoir explication entre le gardien et le défenseur. Si tu laisses jouer un joueur comme ça et que tu le laisses frapper, heureusement qu'il n'a pas cadré. Sans problème, beau contrôle. Il a dégagé. Bien joué. Ils ont pris le bon chemin, le ballon tourne bien, il faut encore gagner quelques secondes. Il y aura une minute d'arrêt de jeu. Ça ne fonctionne pas. Pour Oliège. Changement d'aile pour transpercer la défense. Il peut peut-être marquer. Cela tient du miracle! Égalisation dans les dernières secondes! Quel match de fou! Avec beaucoup de lucidité, il a glissé le ballon à l'attaquant qui était à la limite du hors-jeu. La passe était encore plus difficile que la finition. Il y a une véritable communion entre les joueurs et le public. C'est impressionnant à voir une telle ambiance. Ils reviennent à égalité de partout.
voyez, malgré le fait qu'ils soient menés, ils ont continué à jouer leur propre football. Ils ne sont pas affolés et finalement, ça a fini par payer. Il est dans la surface. La frappe est décochée. L'arbitre signale la fin du match. Il faut donc rentrer au vestiaire. L'arbitre...